Aujourd'hui, je vous retrouve avec une tronche totalement dégueulasse. C'est fait exprès puisque dans pas longtemps c'est Halloween. Et il faut savoir que Halloween c'est ma période de l'année préférée puisque on fait les maquillages d'Halloween et j'adore ce genre de maquillage avec les effets spéciaux, etc. Mais comme je suis quelqu'un de pauvre, je n'ai pas les moyens pour m'acheter les trucs en latex, les fausses dents de vampire ou du faux sang, etc. Donc du coup, j'ai décidé pour cette année de faire, d'essayer de faire un maquillage de zombie uniquement avec du maquillage. Franchement, là, tout ce que vous avez, c'est que du maquillage. J'ai vraiment fait n'importe quoi, comme vous pouvez constater. Et puis, les cheveux, et ben, vous faites n'importe quoi. Vous les crêpez, vous les emmêlez, etc. Enfin, voilà, vous verrez tout dans la vidéo, etc. Donc, c'est vraiment, il n'y a vraiment que du maquillage. J'ai un petit peu fait n'importe quoi au niveau de mon torse. Enfin, au niveau de ma poitrine, mais bon. Je trouve que le résultat, c'est plutôt pas mal pour les personnes qui ont... des petits budgets qui veulent vraiment faire Halloween ou la zombie walk. Bon, je sais que la zombie walk c'était il y a 3 semaines, je ne sais plus exactement, mais je sais que c'était il y a perpète maintenant. Donc voilà à quoi je ressemble en zombie. Pour celles ou ceux, parce que à mon avis il y a peut-être des mecs qui me regardent, mais on ne sait jamais. Si vous avez des lentilles un petit peu blanc, quelque chose comme ça, mettez-les, je pense que ça fera vraiment l'effet zombie. Comme moi je ne peux pas en ce moment à cause de ma myopie et en même temps ma mère ne veut pas trop que je mette des lentilles de couleur. Du coup je me contente seulement de mes yeux noirs. Voilà. Donc si vous avez des lentilles vous pouvez les mettre sans problème. Je pense que ça fera beaucoup plus effet qu'avec mes yeux normaux plutôt. Et voilà quoi. Si vous ressemblez à une grosse merde de zombie comme moi, je vous prie de regarder la vidéo avec les explications. Thank you.
T'en penses quoi? Ouais, ça va. Enfin, c'est moche. Bah, c'est le but.